Sorry. الله ان شاء الله حبيبي برافو فين ويت 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 ارفع بعدين تدخلي ويت ويت à chaque fois les policiers vont venir parfois et après vous changez oui oui oui. Il est venu souvent là. Oui, tous les jours. Presque. Tous les jours. Tous les jours. Alors vous changez je trouve tout. Mes tantes, ils vont prendre. Ils vont. Parfois ils viennent pour prendre les gens, les envoyer dans les hôtels. Ouais. Pour dire que les gens vont. Ils pensent à chaque mois quand même. Vous ferez le tour, monsieur. Allez, vous allez là-bas. On vous demande d'aller là-bas. Allez. You know, very bad and upset because we feel, you know, like we are criminal. Because the way they come with that weapon, that, you know, sometimes they come more than, you know, 70 or 80 and 20 or 20 something, you know, van. I don't know why, but you know, you feel you are like, you know, commit crime or you are criminal or people here, you know, and we are very upset. And the way they treat us, you know, this wind
you know, rain, and also this police come, you know, to make this, you know, with us. And I think just if they want us, you know, to go back or to make a finger in France, I don't know. Go back where? I don't know. One day I asked one of them, I said, what is solution? You have something to do it for us. You don't want us to stay here. So what is going on? Yeah. Because we are living in you know, there is nothing, only tent. Yes. So you don't need to live in this village. Where are gonna go? Vous êtes sur un terrain privé, donc je vais vous demander de me présenter une pièce d'identité et votre carte de journaliste, du coup. Vous êtes sur un terrain privé, monsieur, c'est une infraction en soi. On va pas faire un cours, hein, monsieur. C'est pas vous qui allez m'expliquer. Moi, je me permets pas de vous expliquer quel est votre travail. Hein. Non. Bon, bah voilà. Non, donc vous m'expliquez pas ce que j'ai à faire. Non, mais j'ai dit que ma carte presse... Non, mais vous dites beaucoup de choses, donc maintenant, vous taisez. Merci. Inconnu, Mesfine Germa, Séné Béré, 25 ans, Abdullah, 25 ans, Megs Madan, 16 ans, Youssef Aoun, 24 ans, Ahmed Osman Abdallah, 17 ans, inconnu, Béhar El Nour Yaha Moussa, 27 ans, Sarah, 16 ans, Chikol Nitsou El Mariam, 36 ans, Mohamed Ali Douda, Afom Tsege, 26 ans, Shadi Omar Kataf, Mouaz Al-Bakni, 22 ans. Inconnu. Inconnu.
Mengistu Ogbe, 25 ans. Mohamed Abulyabar, 2015. Youbeshet Tessafei, 30 ans. Mohamed, 23 ans. Gentene Legesse Jacob, 32 ans. Ali Saïd Zebiba, 23 ans. Samir Kedjira, un nourrisson. Abd El Majed Mohamed Ibrahim, 45 ans. Mohamed Ashrat, 23 ans. Oumed Moussa, 17 ans. Hicham Omar Al-Zubair, 22 ans. Gebretznaï Ganet, 23 ans. Sadiq Hussein, 30 ans. Saleh Al-Fadel, 23 ans. Inconnu, 16 ans. Hicham, 22 ans. Eyas Al-Kadri Mohamed, 23 ans. Un toit, c'est un droit, même à Calais. Nous sommes un groupe de personnes de différents pays qui se battent pour le droit de chacun et chacune à un logement digne et sûr. Nous occupons actuellement, depuis plus de 48 heures, certains des nombreux bâtiments de la ville de Calais qui restent vides et gaspillés pendant que les gens dorment dans les rues. Nous occupons ces espaces dans l'espoir de briser le cercle vicieux de la violence et de la déshumanisation de l'État et de la police qui se poursuit à Calais et dans le monde entier pour faire respecter les frontières nationales. Nous voulons créer des espaces ouverts, protégés de la violence de l'État et des discriminations, où le statut administratif d'une personne n'a pas d'impact sur sa capacité à satisfaire ses besoins fondamentaux, à faire l'expérience de la solidarité et à vivre dignement. À Calais, environ 1500 personnes survivent dans la rue, dans des conditions de vie inacceptables. Les personnes exilées occupent des terrains vagues et n'ont pas accès aux services de première nécessité : logement, assainissement, eau, nourriture et soins médicaux. L'État impose des conditions d'extrême précarité et d'invisibilisation par des expulsions illégales toutes les 48 heures, des vols d'effets personnels par la police, des démantèlements illégaux sans possibilité de se défendre devant un juge, des violences policières récurrentes. Les gouvernements français et britanniques, Natacha Bouchard et tous leurs amis ont délibérément transformé une question politique en crise humanitaire. Maintenant, les personnes qui veulent passer la frontière dans une situation de survie. Nous exigeons l'arrêt de toutes les expulsions à Calais, notamment les expulsions dans le cadre de la flagrance et le démantèlement des lieux de vie par des soi-disant mises à l'abri forcées. Nous exigeons la régularisation de tous les squats de la ville. Nous exigeons la fin du harcèlement des personnes bloquées à la frontière, ainsi que les personnes qui les soutiennent par la police. Enfin, nous exigeons la réquisition immédiate de tous les bâtiments vides à Calais et que des solutions concertées et durables soit proposé à tous les habitants et habitantes, quel que soit leur statut administratif ou leur vulnérabilité.